Aujourd'hui, j'ai une pratique qui est un petit peu professionnelle. Je réfléchis vraiment à la façon dont je pratique mon sport. Mais d'un autre côté, j'ai ma vie de famille à côté qui est primordiale. Et surtout, j'ai un autre métier que je pratique en parallèle et que je veux à tout prix conserver, qui est l'activité dans la vigne. J'ai pas envie de passer 100% d'un côté ni 100% de l'autre, parce que c'est deux choses qui pour moi sont indispensables. Si je faisais plus que la vigne aujourd'hui, j'aurais une grosse frustration de ne pas pouvoir pratiquer ma passion qui est le trail. Et inversement, si aujourd'hui je faisais plus que du trail, je pense que ça me mettrait une pression, et puis ça me mettrait aussi une sorte d'embûche sur un projet qu'on a en commun avec Caroline et qui est primordial pour nous dans notre développement. François Petit, le sport, ça a démarré très très tôt, on va dire. Et à partir du moment où il a marché, il s'est mis à courir, à grimper. Ça lui a plu, mais tout de suite. Donc tous les sports en relation avec la montagne. On a eu l'impression de vivre dehors avec lui et découvrir la montagne. L'athlétisme a été un choix presque naturel. Et puis on avait d'autres activités aussi, puisqu'on a la chance d'habiter à Nouvelle-Aise, donc près de la montagne, donc du ski de fond, du ski de piste. Et donc il a fait beaucoup d'entraînement. À l'époque, donc, il était en terminale S, on disait plutôt comme sport que scientifique, puisqu'il ne loupait aucun entraînement. C'était capital, quoi. C'était vraiment important. Donc je pense aussi au niveau des copains, au niveau de l'entente. L'athlétisme pour François, c'est d'une grande famille, les copains, les copines, les sorties. Jamais il a manqué une séance d'athlé. Eh ben, on s'est rencontrés au lycée, on était tous les deux à Chambéry à ce moment-là. On est dans le même lycée et on était dans le même club d'athlétisme. Donc voilà, on faisait tous les deux du demi-fond. Donc on se voyait beaucoup au lycée et puis beaucoup surtout sur le stade d'athlé, quoi. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a vu qu'on faisait pas mal de choses ensemble. On aimait bien faire du sport, du vélo, de la montagne. Donc voilà, petit à petit, on a appris à se connaître, surtout à travers le sport, quoi, on va dire. Quand je l'ai rencontré, il était vraiment... on était à l'athlé, donc il faisait du demi-fond, un peu de piste, du 3000 steeple. Donc il aimait bien, mais on sentait qu'il était... C'était pas son... Il était... Enfin, il y avait trop de contraintes. Et puis tourner autour de la piste pour s'entraîner, c'était pas forcément son truc préféré, quoi. Donc après, dès qu'il y a eu un petit peu des courses en montagne, des trails qui se sont créés, voilà, il a commencé... Ça l'amusait plus, quoi. Moi, j'ai plutôt continué l'athlé, on va dire, classique. Lui, il a commencé à partir un peu dans courir en montagne, commencé à faire quelques trails. Et puis voilà, petit à petit, il s'est rendu compte que c'était plus ça qui lui plaisait. Ça a commencé à bien marcher. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Finalement, il a commencé à se tourner vers quelque chose qu'il préférait par rapport à l'athlé classique. François, il faut que ça bouge, il faut que ça varie, et il a horreur de la monotonie. Avec ses copains, le but du jeu, c'est de relever plusieurs défis qu'on ne connaissait pas toujours. Aller de Novalaise à Chambéry à pied, aller de Novalaise à Grenoble à pied en passant par la Chartreuse. Ils ont fait pas mal de défis de ce style sans qu'on soit au courant. Donc ça a été, dans sa jeunesse, son orientation première. C'était d'aller au bout de lui-même tout en se faisant plaisir. Et déjà petit, c'était son style. Thank you.
vers 17-18 ans, j'avais vraiment le besoin d'être plus en montagne, le besoin de vraiment aller vers des sommets, d'aller vers des défis un petit peu plus longs, plus en rapport avec la nature, plus à l'extérieur et moins, on va dire, chronométré, moins programmé. En 2006, donc j'étais toujours au même club d'athlétisme avec un groupe de copains et puis j'habitais Grenoble donc, pour mes études. Et on commençait à s'entraîner sur tous les petits sommets autour de Grenoble. Et puis mon copain m'a dit voilà, je nous ai inscrit au Tour des Glaciers de la Vanoise là, dans un mois. Une course qui fait 73 km. Donc c'était en 2006. Tu descendras en courant, toi. Et je dis, allez, on se prend au jeu. Donc on s'est un peu entraîné, on est monté un peu en Chartreuse, un peu en Belledonne, un peu dans le Vercors. Et puis on s'est dit, voilà, on a réussi à courir 2-3 heures, on verra bien ce que ça donne sur 7, 8, 9, 10 heures. On va partir doucement. Et c'était vraiment les trucs qui nous amusaient, quoi. On avait déjà fait des petits défis de relier Grenoble à Chambéry avec les frontales entre copains, tout ça. Mais là, on se disait, là, sur une course, ça va être un petit peu nouveau, un petit peu le changement. Et donc on est parti, c'est à la fin du mois de juin avec nos frontales. En se disant qu'on verrait bien comment ça allait se passer, quoi. Avec son frère Pierre, on avait décidé de l'accompagner, de le suivre un peu. Et puis donc il est parti de Pralognan. Donc il était parti doucement, pas forcément dans les premiers. Donc on s'est tenus, on va dire, tous les deux jusqu'à la moitié de la course. Et puis ensuite, plus ça allait, plus je me sentais bien, plus les sensations étaient agréables. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit là j'ai vraiment de bonnes sensations, je vais essayer de courir un petit peu plus vite, d'essayer d'accélérer tout ça. Et puis mon pote lui a ralenti un tout petit peu, il m'a dit essaye de remonter petit à petit. Et en fait j'ai remonté jusqu'à prendre la tête de la course et gagner avec 20 minutes d'avance. Donc on n'avait pas l'intention avec son frère de rester jusqu'à la fin et de rester du côté, c'était du côté de la Maurienne à un moment donné, donc ce tour. Et puis finalement, on a fait tout le tour en voiture pour pouvoir assister à son arrivée. Il était particulièrement content et nous assez fiers aussi de voir cet exploit, même si on trouvait qu'il était un peu jeune pour faire ce type d'effort. Mais c'est un effort qui lui plaisait. Je me souviens qu'à l'époque, il prenait encore le temps ravitaillement de discuter. Et Suisse avait dit écoute, je sens que tu vas passer devant moi. Et continue comme ça, c'est très bien. Donc c'était une course où il y avait quand même un petit peu de monde, mais surtout c'était une course qui m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de courir pendant 8 heures et de faire un tour que j'aurais jamais pensé imaginable pendant une journée. Et petit à petit, c'était des sortes de confirmation. En fait, je me rendais compte que sur des efforts longs, je prenais plus de plaisir, je m'amusais, et que c'était un petit peu différent pour moi de certaines personnes au bout de 4-5 heures qui en avaient marre et qui se lassaient. Et que moi, je commençais justement à trouver des choses un petit peu fun, à m'adapter, à m'amuser dans cet univers montagneux. Et donc c'est vrai que ce 70 km, là, ça a été un petit peu le début d'une prise de conscience et de confiance, de me dire c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de m'amuser, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de faire les prochaines aventures et d'essayer des choses, quoi. Et donc je me suis le trail a commencé à se développer à cette période-là, et donc je me suis tourné petit à petit vers cette discipline-là. On s'est rendu sur un événement qui était le Tour du Mont Blanc, ça doit être la deuxième édition, où j'ai vu justement des gens qui faisaient le Tour du Mont Blanc en une fois sur un effort qui était de plus de 24 heures ou même 25 heures à l'époque. Et là j'ai trouvé ça vraiment amusant, j'ai trouvé ça très intriguant. Et j'ai toujours gardé un petit peu ça dans un coin de ma tête. Et puis petit à petit, mes distances qui étaient de 40-50 km, je me suis dit pourquoi pas, s'ils y arrivent, ça doit être faisable. Et donc j'ai essayé de m'amuser à augmenter petit à petit mes distances pour ensuite passer sur l'ultra. Donc ça a été un peu pour moi, je considère que c'est un petit peu à partir de là que j'ai voulu essayer de progresser, de m'amuser à faire de l'ultra trail. En fait, quand tu veux t'entraîner pour un ultra où tu as 10 000 mètres de dénivelé,
Soit tu te fais 6 fois la même montée, soit tu fais un truc sympa, tu dis je monte en haut tranquillou, et par contre la descente j'essaie d'appuyer un peu, et du coup ça te fait 4000 où tu te pètes un peu les cuisses. Et le Mont Blanc ça fait 4000 mètres d'un coup. Et puis bon, en plus ça te fait travailler un peu, tu sais, le souffle, machin, vu que c'est haut. Donc c'est juste, enfin c'est un peu la sortie de luxe quoi. Tu peux le faire chez toi, c'est la 1000 mètres, mais là c'est un peu le truc luxueux. Si on va courir plus de 5 heures, on ne peut pas partir dans la même optique, c'est-à-dire qu'il faut forcément penser à s'hydrater, il faut penser à s'alimenter, il faut penser à réguler son allure, on ne peut pas être à fond tout le temps sans retenue, il faut vraiment gérer un petit peu plus son effort. Et en fait, toutes ces choses-là, au bout de 5 heures, toute cette pré-gestion et toute cette gestion ensuite de l'effort va être différente. Et c'est ces choses-là qui font que, bah, au bout de 5 heures, voilà, le corps va vraiment répondre aux sensations qu'il éprouve. Et donc il faut être un petit peu attentif à tout, adaptable à tout. Et c'est vrai que c'est à partir de là que je commence à m'amuser ou à trouver un défi un peu plus intéressant, quoi. Je me souviens aussi d'une course un peu particulière où il était parti un peu vite. Donc une course assez réputée quand même, puisque c'était le Courmayeur Champex Chamonix. Donc je crois que c'est aussi une des grandes premières courses auxquelles il a participé. François était premier pendant un certain temps, je crois que jusqu'à la moitié de la course. Mais comme c'était aussi une de ses premières grandes courses, pas forcément habitué, pas bien alimenté, il a terminé finalement cinquième, après avoir, je dirais, s'être arrêté un certain temps au niveau des ravitaillements. C'était une de ses premières courses difficiles et qui n'a pas remporté, vraiment pour des raisons mécaniques et un manque d'expérience dans ce domaine. Et il l'a refait une année aussi plus tard, et en compagnie de son frère, il a toujours des copains. Enfin, François, il faut qu'il ait des copains. Et leur challenge était de terminer, d'avoir un podium de copains ou de frangins. Et ils ont fini par être sur le podium tous les trois, parce que son copain qui était devant lui s'est perdu. Et donc François a finalement réussi à être sur le podium. Et son copain se perd encore régulièrement sur les courses.
En 2009, je me suis inscrit à la Diagonale des Fous, et puis juste avant de partir à la Diagonale des Fous, j'ai reçu un appel de Jean-Michel Fort-Vincent du Team Salomon, et qui m'a proposé de me dire, voilà, quand tu reviendras de la Réunion, éventuellement, si tu veux, on peut se rencontrer pour voir éventuellement si je pourrais t'accompagner, t'aider un petit peu dans tes projets au niveau du trail avec la marque Salomon. Donc j'ai fait ma course à la Réunion, et puis ça s'est plutôt bien passé, c'est la première fois que je faisais quelque chose de si long. Donc j'étais vraiment, vraiment très content. 8 jours avant, François et Carline avaient fait tout le parcours inverse. Donc je pensais pas forcément adapté quand on veut gagner des courses. Et nous, on l'a suivi et c'est nous qui nous occupions des ravitaillements. Mais alors, n'importe comment, tous les ravitaillements, on faisait comme ils nous demandaient. Donc on les faisait cuire des pâtes, on les préparait. Notre paire de chaussures, mais pas du tout adaptée peut-être. Enfin, il a changé peut-être 5 ou 6 fois de paire de chaussures. Il y a quelques soucis gastriques sur la route. Donc il s'alimentait comme il pouvait, n'importe quoi. On a vraiment essayé de le soutenir du mieux possible. Et il a terminé, on va dire, seul, sans être encadré par Salomon. Et il a terminé 5e. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de beau, de fort. Ça paraît tout doux. Allez, go! Et donc en rentrant, j'ai bien discuté avec Jean-Michel, qui était lui aussi très content de cette course et qui m'a dit il faudrait qu'on essaye de développer un petit peu ce potentiel, de développer tes capacités et de t'accompagner pour que tu puisses réussir un petit peu encore plus et encore mieux dans ce que tu fais. Et donc je disais, je vais parler un petit peu de mes craintes, de tout ça. Je lui ai vraiment dit, moi, faire partie d'un team, je sais pas qu'est-ce que ça... Je vais être obligé de courir habillé d'une certaine façon, je vais être obligé de faire certaines courses, ça va être beaucoup de contraintes pour moi, je ne sais pas si je suis prêt à faire tout ça. Pour moi, il faut vraiment que le trail, ça reste dans l'état d'esprit de liberté, comme je l'entends. François, c'était très simple, c'était très clair, c'était très évident presque. Chercher d'être le meilleur en restant lui-même. Et ça, c'était fabuleux. Quand on commence à rentrer en contact, qu'on s'explique, qu'on se dit comment on va travailler, on essaie de travailler sur 3 ans. L'objectif de 3 ans de François, c'était clairement gagner l'UTMB. C'était acquis dans nos têtes à nous, c'est-à-dire le côté staff, entre Christophe Mallardet, qui sont le coach, moi, des kinés, des choses comme ça. On disait, ce garçon a vraiment le potentiel. A vraiment le potentiel parce qu'il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose au niveau physique, au niveau puissance, au niveau sportif, mais aussi au niveau mental. Le mental en ultra-trail, c'est la chose la plus importante. On va passer des étapes par étapes. C'est-à-dire, on va réfléchir sur la première année. Qu'est-ce qu'il faut faire la première année? Qu'est-ce qu'il faut faire pour t'améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler tes points faibles? On fait comme un ultra-trail, en fait. Au lieu que ce soit section par section, là, c'est trimestre par trimestre, semestre par semestre, année par année, pour arriver à notre objectif qu'on s'est donné. La seule fois où on va parler réellement de cet objectif, c'est en début de 3e année. Où là, on dit, ouais, bon, maintenant, cette année, t'as tout pour pouvoir gagner telle course ou telle course ou telle course. Première réaction, c'est non, c'est pas possible. J'ai pas le niveau, j'ai pas ci, j'ai pas...
T'as vu lui comme il est fort, t'as vu lui comme il est fort. Parce qu'il reste une des personnes les plus humbles. Quand il se met un peu du recul, il dit « Ah ouais, ça va être compliqué par rapport à lui, ça va être compliqué par rapport à lui. » Parce que surtout là, il n'avait pas encore confiance en lui-même et il n'avait pas conscience de ce qu'il pouvait dégager sportivement. Donc là, il faut faire passer des étapes. Il faut y arriver crescendo pour arriver jusqu'à ce moment ultime qui est une course comme l'UTMB, que l'UTMF ou le Grand Raid de la Réunion. Mais tout arrive à temps. Il faut juste laisser le temps faire. Et en fait, cet accompagnement-là, c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à progresser, à prendre confiance et puis surtout à rester moi-même pour conserver ce plaisir et cette motivation qui sont indispensables lors des ultras. On s'est toujours dit qu'il fallait essayer de se préserver pour pouvoir durer et essayer surtout de préserver son corps parce que c'était quelque chose de primordial et de magique. Pendant les courses, il y a très peu de mots échangés. C'est très très automatique. Ça fait pratiquement 8 ans qu'on est ensemble sur toutes les courses. C'est clair que je le vois arriver, je sais ce qui va pas. C'est une habitude. À 20 mètres avant le gravito, on sait ce qu'il faut dire ou pas dire. On sait ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Quand on arrive sur des courses, dans la zone de ravito, on échange peut-être 20 mots. C'est juste la base. C'est juste, t'en es là, t'attends d'avance, t'attends de retard, t'as placé là. Et maintenant, la section suivante, c'est en dénivelé, et voilà. Plus, bien sûr, l'accompagnement matériel pour lui redonner tout son bon matériel au bon moment. Disons qu'au départ d'un Ultra Trail, c'est une aventure. Pour moi, c'est une aventure globale. C'est à la fois une aventure parce qu'il faut vraiment rester humble face à la montagne et face au parcours. Quand on part pour 160, 170 km, c'est une distance qui est énorme et qui est pas donnée à tout le monde de réaliser. À chaque fois que j'ai pris le départ d'une course ou d'un défi aussi long, je me suis toujours dit, est-ce que je vais avoir la capacité d'aller au bout? Comment ça va se passer? Comment je dois arriver à gérer au mieux mon effort pour aller au bout du mieux que possible? Et c'est vrai que ça, c'est une grosse incertitude, une grosse aventure au départ. Ensuite, c'est l'aventure par rapport à soi parce qu'on sait pas ce que va nous permettre le corps ce jour-là, et c'est aussi l'aventure par rapport aux autres parce que mine de rien il faut essayer de s'adapter un petit peu vis-à-vis des autres compétiteurs quand on est dans le jeu, d'essayer de jouer un petit peu les premiers rôles. Forcément, même si on sait qu'il faut faire sa course à soi, qu'il faut pas tenir compte des autres, forcément ça va avoir une incidence un petit peu sur soi. Donc, il faut essayer de prendre un petit peu conscience et de jouer un petit peu tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment une aventure globale à tous les niveaux. C'est un garçon qui est serein, c'est un garçon qui se fait plaisir. Il faut qu'on garde cette sérénité et ce plaisir jusqu'à la ligne de départ. Il faut qu'il arrive sur la ligne de départ avec le sourire, il faut qu'il arrive avec une confiance en lui. S'il a le sourire, une confiance en lui et que tout va bien, ça devient une machine derrière pendant la course. Parce qu'il va évoluer à son niveau, et quelqu'un qui évolue à son niveau avec un mental béton, c'est difficile d'aller le chercher sur une compétition. Parce que l'envie reste le meilleur facteur pour aller faire une performance. La course est une chose, mais tout l'entraînement avant est quelque chose de colossal. Donc si on ne va pas dans cet entraînement avec vraiment une forte envie, ça devient très très compliqué.
François, il est on-off. Et c'est une de ses forces, c'est-à-dire que la course part à 4h du matin jusqu'à 3h59. Il est franchement relax. 4h, il passe en mode compétiteur. Parce qu'il sait qu'il doit faire et il va profiter de sa compétition. Par contre, une minute après la compétition, il relâche tout en se disant « voilà, ça c'est fait ». J'ai gagné, j'ai pas gagné, mais voilà, ça s'est fait, c'était une étape est faite. Et c'est une aussi de ses forces, c'est qu'il arrive à être vraiment serein avant la course et tout de suite après la course être serein. Ça va pas le perturber et il va pas être surstressé en amont et en aval de la course. On est toujours une demi-heure, voire sur certaines courses, une heure sur la ligne de départ avant le départ. On revoit plein de monde, il y a les photographes, il y a plein de choses, mais c'est vrai que c'est pas forcément la partie la plus agréable de la course, c'est qu'on est là pour attendre le départ. Et donc, effectivement, pour moi, c'est une libération quand le départ est donné, parce que voilà, ça fait une heure qu'on attend quelque chose, voire plus longtemps, parce que pendant toute la préparation, on a pensé aussi à cette course et à ce départ-là. Donc c'est vrai que c'est une sorte de double libération lorsque le départ est donné. Donc, c'est vrai que j'aime bien partir un peu vite, un peu devant, comme ça, au moins, je suis tranquille. Et j'ai que moi à gérer, pas les autres, et je me dis que j'ai un peu moins de risque de tomber. Puis après, voilà, l'allure qu'on prend sur ces 10 premiers kilomètres, c'est un petit peu rapide, mais bon, c'est pas non plus une allure de marathon. Et surtout, en fait, ça va être quoi? Ça va être 5, ça va être 3, ça va être 10 kilomètres qui seront faits un petit peu plus vite, qui vont passer tout seul parce que c'est le début de la course. On se retrouve avec les autres, donc c'est vrai que ça passe tout seul. Et surtout, le fait d'aller un petit peu vite, 5, 10 kilomètres, une demi-heure, 15 minutes, 20 minutes, sur 20 heures, 25 heures d'effort, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Ensuite, on aura largement le temps de se calmer et puis de se retrouver un petit peu soi-même ou en groupe tranquillement, quoi. Ça a toujours été un mec qui fait les choses comme il a envie de faire. Les premières fois qu'il faisait la Pyramenta en ski alpi, c'est le seul mec qui n'était pas en combinaison mais qui était en short large parce qu'il avait envie de se démarquer comme ça. Pourtant, il était dans les 20 premiers de la Pyramenta. C'est quelqu'un qui est naturellement, qui veut ce détachement. S'il conserve, tout ce qui se passe, il relativise. Dans les ultras, généralement, j'essaie de vraiment faire aucun plan, surtout pas de plan vis-à-vis des autres, quoi. Au pire, les plans sont faits par rapport à moi, mais surtout pas vis-à-vis des autres compétiteurs. Il faut essayer de s'économiser souvent dans les premières parties. Souvent, je me dis, là, jusqu'à ce point-là, j'essaie vraiment de pas me mettre trop dans le rouge, de bien m'économiser, puis on verra derrière un petit peu ce qui se passe. Mais après, pendant la course, souvent, c'est complètement différent parce qu'on s'amuse sur une première partie, que finalement on ne voit pas le temps passer, ou au contraire que c'est très dur bien avant le point qu'on s'est défini. J'essaie de bien prévoir mes ravitaillements, bien prévoir ma gestion du jour, de la nuit, des choses comme ça. Mais pas du tout au niveau ni de mes temps de passage, ni des autres concurrents. Pour courir 160 km, donc comme un peu de stress de est-ce qu'on s'est assez entraîné, est-ce que j'ai quand même fait beaucoup de sacrifices pour faire cette course, en entraînement. Parfois, souvent, c'est des courses assez loin, donc nous, on vient pas forcément avec les enfants, donc il se dit j'y vais tout seul, c'est pas forcément d'angoisse, mais il se dit qu'il faut qu'il essaye de faire le meilleur pour compenser ça. Quand il rentre de course ou d'un voyage, il en parle bien, quoi. Il nous explique, et souvent c'est des endroits. Il me dit qu'on aurait bien été tous les deux, quoi. C'est quelque chose où on pourrait retourner. Il me dit on pourrait faire tel truc, tel sommet. Il m'en parle plutôt dans ce sens-là, quoi. Dans le sens où faudrait qu'on essaye d'y retourner un jour, découvrir un peu plus, parce que finalement quand il part à chaque fois c'est long, mais c'est quand même assez court et il a pas le temps trop de. Il est dans des endroits un peu magiques et il a pas trop le temps de découvrir, quoi.
Sylvie découvre de temps en temps des François au bout de lui-même, dans des situations difficiles. Je parlais, j'évoquais tout à l'heure la CCC, la première CCC où il avait des crampes, avec une envie d'abandon, mais malgré tout, il veut quand même terminer. Donc, des situations pas toujours faciles à vivre pour des parents. Généralement, j'assiste en tant que coureur, soit à une petite partie de la course, soit à la course en totalité. Donc, je vois toujours le bonheur de l'arrivée, je vois cette émotion à l'arrivée, donc beaucoup d'émotions pour moi. Et donc, j'ai pas cette partie appréhension et puis la découverte de François dans la souffrance. Moi, je découvre souvent ce François lors de ses victoires et sur ses podiums, donc c'est toujours nettement plus agréable. On vit la course avec lui, jour, nuit. On voit pas le temps passer, on a la boule au ventre, c'est horrible. Bien sûr, on est fiers, mais la place, j'ai envie de dire en tant que parent, la place, on s'en fiche. C'est que François se blesse pas trop. Je dis pas trop parce que c'est quand même difficile, hein, il passe des moments très durs. Même quand il a 10 km de l'arrivée qu'il est en tête, on se dit pas ça y est, c'est fait, c'est gagné, il peut toujours se perdre, se blesser, donc c'est toujours angoissant. De fin quand il est sur les podiums, c'est exceptionnel. Les images à l'arrivée, c'est super, très émouvant. Par contre, on a connu des moments un peu plus difficiles, plus particulièrement sur l'UTMB, auquel j'ai participé aussi comme concurrent. C'est mon premier UTMB. Et là, François est obligé d'abandonner alors qu'il était pas trop mal placé. Je crois qu'il était cinquième. Et puis, un problème mécanique de tendon. Je crois que c'était le tendon d'Achille à l'époque. Donc, il est obligé d'abandonner au 125e kilomètre. Et ça, ce sont des périodes assez difficiles à vivre. Alors, pas eu l'occasion de vivre, puisque moi j'étais sur le parcours, j'ai abandonné également. Alors je pense que l'abandon de François m'a pas forcément incité à terminer non plus. Donc mine de rien, au niveau du mental, ça joue aussi sur ma motivation. Quand il est premier, ça motive nettement plus que quand on le sent en difficulté. Il me téléphone, il me dit je suis assis sur une pierre en train de pleurer. Ouais, il faut y aller parce qu'on remonte, on va le chercher. On voit un grand gaillard d'un mètre 95 en train de pleurer sur une pierre. C'est le truc pas marrant. Mais le lendemain, c'était ouais. Bon, ben ouais, ok, je me suis planté, je me suis blessé. Ben on va faire mieux la prochaine fois. Et il retrouve son sourire un peu juvénile en disant bon, ok. Finalement, c'est de la course à pied, quoi. C'est... Je joue pas sa vie non plus à chaque fois. Voilà, plus comme ça, quand on essaye tous les deux, on se ramène tous les deux, il me ramène un peu vers sa passion. Puis moi. Plus vers le côté, un peu la vie de tous les jours, un peu les petits plaisirs, des trucs comme ça. Oui, la famille, c'est quand même quelque chose qui ça le fait relativiser, et puis c'est encore plus fort qu'un ultra, quoi. C'est vraiment autre chose qui le pousse un peu dans ses retranchements, quoi. Quand Sarah est née, juste après, il avait fait le marathon du Mont-Blanc, quelques nuits difficiles juste avant. Et voilà, je sais pas, j'ai l'impression que ça l'a poussé, quoi, un peu, quoi. Ça l'avait aidé, quoi. C'est l'équilibre qu'il a trouvé, fait ce qu'il est actuellement. Comme tout sport à haut niveau, si l'athlète n'est pas équilibré à côté de son sport, ça devient une panique très, très vite. Cet équilibre fait aussi que quand il est d'un échec, il peut rentrer le lundi, pas broyé du noir, parce que le lundi, il a, entre parenthèses, autre chose à faire. Il peut se projeter sur des choses de positif. La course à pied, le trail, doit rester la chose secondaire la plus importante. Quand on a vraiment compris ça, tout passe et tout est redécoule. Thank you.
Germain, c'est un projet qui date maintenant de 4 ans. Voilà, à l'époque, j'étais kinésithérapeute et puis Karine travaillait dans une association de développement. Et du coup, on avait vraiment envie de faire ensemble un projet commun parce qu'on voulait pouvoir se voir plus souvent, pouvoir travailler en rapport avec la nature, avec l'extérieur. Puis il y a eu cette opportunité-là de prendre le domaine qui appartenait à la famille de Karline et qui allait être arraché parce qu'ils n'avaient pas trouvé de repreneur pour s'occuper des vignes. Cette opportunité-là qui nous a souri, ça nous a séduit assez rapidement et ça nous a vraiment plu. Et on s'est dit, bah voilà, c'est une aventure à tenter. On est tous les deux, on travaille dehors. Finalement, il y a peut-être moins de contraintes qu'avec des animaux ou avec d'autres choses. Et bon, dans l'idée, c'était vraiment, oui, c'est ça, c'était quand même l'aventure de se dire, on change. Après, on essaie de faire tout tous les deux, quoi. C'était ça vraiment, nous, l'objectif de cette expérience, quoi, de reprendre la vigne, quoi. On a commencé en janvier 2012. Au début, on était un peu aidés par le vigneron, l'ancien vigneron. Ça nous a quand même conforté dans l'idée que c'était quand même très intéressant et très diversifié, quoi. Finalement, c'est quand même beaucoup de métiers, quoi. Il y a la vigne, il y a le vin, bon, il y a le côté administratif, il y a la vente, la communication. Donc finalement, c'est assez, c'est vraiment très divers, quoi. On fait plusieurs choses dans la journée. Au début, on faisait ça, on n'avait que l'expérience, mais d'avoir vraiment le côté technique avec les mots, et ben voilà, ça m'a plutôt conforté de voir tout le panel de choses qu'on pouvait faire. Qu'on pouvait améliorer, qu'on pouvait vraiment mettre notre propre marque sur cette expérience. Et puis on s'est rendu compte aussi que c'était vraiment en fait un monde de partage. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans, mais avec Laurent, on partage toujours nos points de vue. Il nous donne toujours beaucoup de conseils. On travaille vraiment en collaboration avec lui au quotidien et aussi avec un petit peu les autres viticulteurs. Et chaque année, la vigne est différente. Donc voilà, on a beau avoir appris pas mal de trucs, avoir lu des livres, avoir fait des formations. Ce qui est très important, et finalement, c'est un petit peu comme avec le trail running, c'est une adaptation au quotidien lors de nos travaux, lors de la vigne, lors des vendanges, lors de la viticulture. Et c'est ça qui est bien, c'est que chaque année est complètement différente, quoi. C'est sûr que c'est inenvisageable qu'on fasse des vendanges et qu'il y en a nous deux qui soient pas là, c'est vraiment une équipe qui essaye de fonctionner ensemble. Après, sur certaines tâches, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus moi, sur d'autres tâches, un petit peu plus elle. C'est vrai que c'est plus elle qui gère tout ce qui est la relation avec les laboratoires, toutes les relations chimiques au monde de la viticulture, toutes les densités, tout ça, et que moi, à ce niveau-là, je vais plus avoir un rôle, on va dire, d'ouvrier pendant cette période-là. Dégustation, tout ça, c'est des choses qui sont très personnelles, c'est un ressenti qui est personnel. C'est sûr que quand Karline et moi, on va boire notre vin, on va ressentir toute une année, voire plus de travail, toute une progression, tout un partage qu'on a fait ensemble. Et puis c'est quelque chose de super agréable quand on voit 5-6 personnes autour d'un verre de vin et qui échangent sur ce vin-là, en termes, on va dire, souvent très positifs. Vraiment
fait que lui, il aime bien son métier, enfin le trail et puis le vin, notre aventure, c'est quand même de se projeter et puis d'avoir envie de faire quelque chose un petit peu de nouveau, enfin de progresser quoi, chaque année. Si on fait tout le temps la même chose, ça peut vite, vite être un peu rébarbatif, quoi, que le vin, ça sera jamais la même chose, qu'on est quand même soumis au temps, à l'année, à plein de choses. Donc le vin, il sera différent chaque année, notre travail, il est un peu différent chaque année. Et du coup, nous, on a quand même envie de continuer à améliorer notre exploitation, aller plus loin sur certains trucs, comme par exemple accueillir un peu les gens, leur transmettre un peu la passion du trail, du vin, de la nature, un peu tout ça. Bon, après, ça, c'est des projets un peu à plus long terme, quand on aura plus de temps. Mais... Dans tous les cas, que ce soit l'ultra-trail ou que ce soit le vin, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur toute l'année, voire sur plusieurs saisons et sur plusieurs années. L'an passé, si j'ai réussi à faire 3 ultra-trails, ben, c'est parce que ça faisait 10 ans que je faisais du trail progressivement et que je m'économisais et que j'avais en tête un petit peu le fait de vouloir tester mon corps et enchaîner sur des distances très longues. Le vin, c'est un petit peu pareil. Si la vigne, ça fait pas plusieurs années qu'elle est très bien entretenue, qu'on s'en occupe pas bien, voire des dizaines, voire des quinzaines, voire des vingtaines d'années, on n'aura jamais cette complexité et ce résultat-là à la fin, lors des vendanges. C'est pas que le résultat d'une saison ou des derniers mois ou du dernier cisaillage qui va jouer. Et un trail, bah, c'est pareil, c'est pas que les 2 derniers mois ou le dernier footing avant la course qui va faire qu'on arrive au bout. Donc ça, c'est sûr que bah, c'est quelque chose que j'aime bien de savoir que ce qu'on fait un petit peu tous les jours, ça va forcément influencer sur le projet global et final. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir prendre du plaisir au quotidien. Et prendre du plaisir au quotidien de manière, on va dire, souple, modérée, équilibrée, en faisant pas forcément de concessions sur mes envies et ma vie de famille, ma vie sociale et tout ça. Il m'a un peu embarqué dedans. Après, moi aussi, je l'embarque de l'autre côté. En lui... Il a pas la folie des grandeurs, mais en lui faisant garder les pieds un peu plus sur terre... Voilà, finalement c'est de la course à pied, quoi. Je joue pas sa vie non plus à chaque fois. Voilà. Du plaisir quand j'ai l'impression de partir à l'aventure, quand je sais pas si je vais aller au bout, quand je sais que voilà, il faut d'abord que je pense à me gérer moi-même avant de gérer les autres pour faire une bonne course et pour être sûr d'aller au bout, et que ces notions-là sont plus importantes pour moi de vraiment gérer mon corps et mon effort jusqu'au bout de la course plutôt que de gérer la place en elle-même et la compétition contre les autres, et que c'est comme ça que je fonctionne et que ça marche. Après, quand je commence à réfléchir autrement, c'est vrai que je prends moins de plaisir et je pense pas que c'est vers là que j'ai envie de me tourner, quoi. Je pense que oui, j'ai besoin de me retrouver plus en montagne, j'ai besoin d'être plus dans des schémas qui me correspondent où voilà, il y a tantôt des fois de la marge, des fois de la montée, des fois de la descente, des fois des parties très techniques, des fois des parties plus roulantes, mais j'ai besoin en fait de ces variations au cours de l'effort, parce que sur un 60 km, on passe par des états qui sont un petit peu bizarres, qu'on connaît pas forcément, qu'on n'est pas habitué à connaître, et heureusement d'ailleurs. Et c'est dans ces moments-là où voilà, la motivation, toute la préparation qu'on a fait en amont, tout le plaisir qu'on a pris pour préparer cette épreuve-là, ça se montre... Enfin, tous les petits bonheurs qu'on vit au quotidien, c'est à ce moment-là qu'on va s'en servir, enfin que moi, du moins, je vais m'en servir pour essayer d'aller encore plus loin, d'aller au bout de mon effort. C'est sûr que pour moi, l'aspect physique, il est très important, il est indéniable sur les courses d'ultra. Mais l'aspect moral et la part psychologique, la part motivationnelle, la part le fait qu'on soit dans un bon équilibre et vraiment sur une bonne voie au départ de la course, ça va changer complètement la donne de la course et la perception qu'on aura durant cette course-là, quoi. Il faut conserver ça, et pour moi c'est super important, ces notions de motivation, de voyage, d'aventure. Et pour moi, je trouve ça génial de, par exemple, pouvoir prendre le départ du Tour du Mont-Blanc et en voyant mon père qui est 100 mètres derrière moi, et pouvoir partager avec lui la même course dans des conditions qui vont pas forcément être les mêmes, parce qu'on va pas courir à la même allure. Il y en a un qui va arriver peut-être une nuit avant l'autre, il peut se passer plein de choses, mais globalement, on est parti au départ sur, on va dire, dans la même galère, quoi. Finalement, on se dit toujours qu'il y a un peu moins de mérite que son père, puisqu'il va nettement plus vite que moi, donc il souffre moins longtemps.
crois qu'il y a un UTMB qui a été annulé, donc il a pris le départ, ils ont fait que 25 ou 35 km. Alors cette année-là, moi, je participais à quoi? Je crois à la CCC aussi. Et François, donc là, par contre, c'était sympa pour moi, c'est qu'il est venu m'accompagner. Donc sur la fin de parcours, en plus, c'était un parcours un peu dantesque, puisque c'était orageux. C'est des moments aussi sympas à vivre et qui m'ont permis de terminer, même si j'étais complètement frigorifié, complètement crevé à la fin. Je dirais que le fait de terminer avec François, c'était sympa. On sent que les rôles sont inversés. Quand il avait 12-13 ans, c'est moi qui l'assistais aux courses. Et après, c'est lui qui m'assiste en me disant « Allez, tu vas terminer. » J'ai eu la chance de terminer cette grande course. Année, c'est que le parcours avait été écourté, donc ça faisait que 100 km. Et là, par contre, donc là, j'avais eu la chance de pouvoir faire comme Sylvie, de le suivre tout au long du parcours. Comme le parcours en plus était plus ou moins pas en boucle, mais assez local, donc on arrivait à le suivre plus facilement que l'UTMB. Il faut traverser les trois pays. Donc là, c'était qu'en France ou Suisse, peut-être, je sais plus comment ça se passait, mais on pouvait le suivre assez facilement. Donc là, j'ai eu la chance aussi de le voir et puis en tête depuis le début, de le sentir assez joyeux, assez confiant. Et c'est aussi les sensations particulières de découvrir tout ça. Et surtout que la veille, j'avais participé à la TDS. Là, bizarrement, j'ai plus mal du tout. Je l'accompagnais sur 100 mètres, pas plus. Hein. J'étais incapable de faire plus. Mais ça aussi, c'est des souvenirs qu'on conserve et des images, je pense, c'est sympathique. Il a géré sa course à sa manière. Il nous prend une belle deuxième place. Le grand monsieur Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir prendre du plaisir au quotidien. Et prendre du plaisir au quotidien de manière, on va dire, souple, modérée, équilibrée, en faisant pas forcément de concessions sur mes envies et ma vie de famille, ma vie sociale et tout ça. Et aujourd'hui, le trail, c'est quelque chose qui me correspond parce que j'ai pas forcément d'horaire pour aller m'entraîner, j'ai pas de lieu pour m'entraîner. Je peux faire ça partout. Ça assouvit mon besoin d'être en montagne, ça assouvit mon besoin d'aller faire des fois du vélo, des fois du ski, parce que tous les entraînements sont compatibles et sont possibles. Et puis le vin, c'est pareil, aujourd'hui ça me permet de passer des super moments avec mes amis, avec ma famille. Ça me permet de découvrir un nouveau métier, une nouvelle facette. Ça me permet d'être dehors, de comprendre toute l'évolution du cycle végétatif, toute l'évolution de la viticulture. Enfin, c'est plein de petits moments comme ça qui sont vraiment agréables. Je peux tailler l'hiver à deux avec mon épouse plutôt que de travailler chacun de son côté. C'est quand même quelque chose qui, même s'il fait froid et même si c'est pas tous les jours facile, c'est des petits moments quand même qu'on apprécie. Comme celui de pouvoir courir librement en montagne, de faire des entraînements qui nous plaisent. Et qui font qu'en fait, dans les moments qui seront un peu durs le jour de la course, dans les moments qui seront un peu durs quand il faudra travailler dans la vigne et qu'il fait 40 degrés, et puis que ça fait 8 heures qu'on y est, qu'on en a un peu marre, on se rappellera tous ces petits moments-là. Et en fait, tous ces instants de plaisir-là, ils vont complètement diminuer les autres instants et ils vont surtout relativiser un petit peu ça. À la limite, on a vraiment choisi d'être là le jour où c'est dur, parce qu'on a passé tellement de bons moments avant en amont que finalement, ce jour-là, c'est plutôt du plaisir que quelque chose de dur. C'en est plutôt marrant et de la dérision, quoi.